Welcome to the Kobe Show. Take two. All the way, dunks it home! Kobe down the middle with authority! Once upon a time, there was a young basketball player who had dreams of becoming one of the greatest basketball players of all time. Bryant, the drive! You know, if I fail today, okay, I'm going to learn something from that failure and I'm going to try again on Tuesday. Au milieu des années 90, un jeune lycéen, fils d'un ancien basketteur pro lui aussi, débarque en NBA quelques semaines seulement, après avoir fêté ses 18 ans. Un phénomène qui rappelle étrangement le meilleur joueur de l'époque par son comportement, son style, son éthique et ce besoin féroce de gagner. Il s'appelle Kobe Bryant, les fans l'appellent Kobe. Le potentiel est là et la ligue s'attache rapidement à l'héritier proclamé du Showtime des Lakers de la décennie précédente. Une énergie débordante, des qualités physiques ahurissantes, du talent plein les mains pour un ovni de la balle orange qui va très très vite se faire un nom dans la ligue la plus spectaculaire de la planète. This is right after that playoff game. And I got home 3 a.m. and I went down to the high school. The janitor let me in the gym and I shot all day. All day. I mean, all day. I didn't leave the gym. I just kept shooting. La destinée d'un sportif est souvent liée à son éthique de travail et les heures passées à comprendre la discipline, l'étudier, la maîtriser, l'appréhender. Kobe en était l'un des meilleurs exemples. Durant toute sa carrière, il a été l'étendard de la réussite par le travail, les efforts, l'application, l'acharnement aussi, le dévouement à son sport. Bosser dans l'ombre et rugir dans la lumière. Derrière un tir marqué en match, il y avait 500 fois le même marqué à l'entraînement, au gymnase ou chez lui. Son sport très jeune, c'est le basket, la balle orange, l'un des plus suivis au pays de l'oncle Sam, au beau milieu des années 90 et de la dynastie des Bulls de Jordan. Car on va le voir dès maintenant, avec Kobe, tout est allé très vite, sur le terrain, dans sa vie, dans sa carrière. Un parcours immense pour l'un des joueurs les plus impressionnants de l'histoire sur un parquet, au destin malheureusement tragique. Dès le début, j'ai voulu être le meilleur. J'avais une envie constante, un désir ardent, de m'améliorer et d'être le meilleur, car si tu ne crois pas en toi, personne ne le fera à ta place. Ça, c'est le discours de Kobe, et ça a plus ou moins toujours été la même chose. Depuis les années lycées en Pennsylvanie, le joueur transpire la confiance et le montre à tout le monde. My name is Kobe Bryant. 17 years old, and I've been lucky enough to live not only in different parts of the United States, but Europe as well. Au sein de la modeste Lower Merion High School, dans la banlieue de Philadelphie, le jeune Kobe Bryant fait des ravages et écrase les pauvres lycéens des alentours qui subissent chaque week-end la foudre du numéro 33. Des gros tomards du handle dépassent dans le dos du contre, du show tout le temps, avec ce petit sourire nonchalant. Et ceux qui croyaient vraiment en leur chance de pouvoir l'arrêter, comment leur dire? C'était vraiment pas la meilleure idée. I just had an opportunity to go in the other locker room. I asked the starting five what they thought of you. Two of them said, well, you know, we think we can contain them. I'd like to know what you think. Déjà tellement mature dans son jeu et l'approche du basket par les fondamentaux, le jeune arrière n'a peur de rien ni de personne et noircit la feuille de stats lors de sa dernière année lycée. Avec quasiment 31 points, 12 rebonds et 6 passes de moyenne, il est élu logiquement meilleur lycéen du pays dans la lignée des Magic Johnson, Michael Jordan ou le Shaq avant lui. Les plus grandes facs toquent alors à la porte pour s'attirer les faveurs du phénomène, celui que tout le monde veut avoir dans son équipe, capable de porter ses 4 coéquipiers sur le terrain à lui tout seul, sans vraiment que ça lui fasse peur. I'm about to give a whole presentation, 2.5 minutes, 3 minutes. I haven't prepared anything, so I'm about to wing it. We'll see what happens. Comme pour sa présentation ce jour-là, Kobe va un peu improviser, sauf que dans sa tête, c'est déjà très clair. La fac, il en veut pas. Pour lui, il va juste perdre du temps. Dans ses yeux, dans son cœur et déjà entre ses mains, son destin est en NBA, la grande ligue. Avant lui, seuls 2 joueurs ont fait le choix de ne pas passer par la fac, dont Kevin Garnett drafté l'année précédente. À 17 ans seulement, lors du printemps 96, Kobe prend la parole devant tout son lycée. Le smile jusqu'aux oreilles.
Kobe est sélectionné en 13e position par les Hornets lors de la draft de 96, considérée comme l'une des plus belles de l'histoire. Puis finalement échangé vers les Lakers car Jerry West, le general manager, le voulait absolument dans son roster. Un coup de poker, un vrai, une décision réfléchie mais risquée pour un joueur encore très jeune et dont les fondamentaux tactiques posaient forcément question. Des questions auxquelles Kobe va très vite apporter des réponses. Plus jeune joueur de l'histoire a foulé les parquets NBA pour ses débuts contre Minnesota. Kobe apporte un vent de fraîcheur dans une franchise à bout de souffle depuis 91 et la dernière accession en finale des coéquipiers de Magic Johnson. La ligue voit débarquer un phénomène athlétique, un diamant poli par le staff des Lakers, qui comprennent le potentiel monstrueux d'une association entre le jeune numéro 8 et Shaquille O'Neal, qui martyrise les raquettes depuis déjà quelques saisons, et qui a posé ses valises à LA en même temps que le néophyte. Sur le parquet, l'arrière sait faire pas mal de choses. D'un côté du terrain, sa très belle mécanique de shoot lui permet d'enfiler les perles à mi-distance ou derrière la ligne. Sa détente phénoménale et son timing lui autorisent à monter tranquillement sur ses adversaires pour l'écrabouiller sur un dunk ou finir de façon plus classe. Offensivement, malgré des pourcentages au shoot relativement faibles, les débuts sont très prometteurs. Kobe a vite appris les fondamentaux autour de son shoot et de son drive, à défaut de savoir ce qu'était la gravité. Les trois premières saisons, sous les ordres de son coach Del Harris, le numéro 8 envoie 7, 15 puis quasiment 20 points de moyenne, auxquels peuvent s'ajouter 5 rebonds et 4 assists. Et surtout, il est clairement devenu le chouchou de la ligue, le petit jeune qui déchaîne les passions, le futur Jordan, même si c'était pas vraiment son surnom préféré. En claquant un bon gros rider lors du concours de dunk 97, suivi d'une célébration bien arrogante, bien comme il aime, puis en étant sélectionné comme titulaire lors du All-Star Game l'année qui suit, le joueur a clairement changé de dimension. What's this moment represent to you to play in the All-Star Game at 19 years of age? This is my first All-Star Game playing here in New York City with all these great basketball players. It's an incredible feeling. I'm glad it's finally arrived. Mr. Bryant, wonder if you'd mind signing an autograph for me. Il commence sérieusement à préchauffer, le four est à 180, Kobe fait des 360. La feuille de stats va très vite s'approcher des 30. À l'aube de la saison 2000 et avec l'arrivée du très grand Phil Jackson en coach, l'arrière est enfin prêt à passer un cap individuellement et collectivement. Le Shaq termine meilleur scoreur de NBA avec quasiment 30 pions, Kobe s'occupe du reste bien aidé par Glenn Rice à l'aile. Les Lakers dominent tranquillement la conférence Ouest avec 67 victoires pour seulement 15 défaites. Le numéro 8 a mûri, le Shaq est à son prime, les Lakers éliminent successivement les Kings au premier tour, les Suns en demi et les Blazers en finale de conférence, grâce à un Shaq ultra dominant dans la raquette et un Kobe plein bourre qui envoie plusieurs fois plus de 30 points. Pour la grande finale face aux Pacers, Kobe, blessé durant le Game 2 mais précieux durant toute la série, reste dans l'ombre du numéro 34 et de ses 38 points et 17 rebonds de moyenne, une feuille de stats insensée pour le MVP de la saison et le MVP des finales. Les Lakers sont sacrés champions en 6 matchs face aux Pacers de Reggie Miller. Kobe, impressionnant de maturité et de sang-froid à la fin du Game 4, ramène en Californie son premier titre de champion NBA à même pas 22 ans. Pièce maîtresse de l'équipe, lieutenant idéal pour le meilleur pivot de la ligue, le jeune arrière a des étoiles dans les yeux, la tête dans l'arceau et le trophée dans les mains. Le goût de la victoire, l'odeur des finales, une nouvelle sensation qui va très vite devenir une obsession. L'année suivante, le duo domine plus que jamais la ligue, combinant quasiment 60 points par match à eux deux, avec plus de 28 unités pour Kobe. Les formidables promesses du titre la saison précédente se confirment match après match. Offensivement, Kobe est une machine, un scoreur compulsif. Sur le terrain, il y a lui et le panier, le reste, Kobe s'en contrefou. Sa panoplie est ultra complète et repose principalement sur un incroyable footwork. Le basket avec lui, c'est un peu comme de la danse. Face au jeu, Kobe peut poser 2-3 dribbles et déclencher un shoot, ou user de sa vitesse pour pénétrer dans la raquette et finir comme il veut, de façon plus ou moins orthodoxe. Il négocie à merveille les variations d'intensité dans ses déplacements, pour mettre en place son plan et croquer son adversaire. Et si celui-ci avait le malheur de sauter sur une feinte, la sentence était irrévocable. He feels comfortable being by himself. Most of the time he asks us for the tape of the game we played the night before the opponent we're playing the next night. And he has a VCR and he sets it up. And he watches games.
Sa détente n'a aucun sens, Kobe peut rester une demi-heure en l'air, aller boire une petite gorgée de gâteau Red avant de décider comment finir son action. La diversité de ses moves pour filer jusqu'au panier, pour prendre le contact et aller chercher la faute, en font une menace permanente pour toutes les défenses adverses. Oui, permanente, car Kobe joue plus de 40 minutes par match, du coup il n'y a pas vraiment le temps de se reposer. Le shoot est ultra pur, la mécanique quasi parfaite, avec le poignet qui traîne et les filets qui tremblent. De haut panier, Kobe est devenu un grand spécialiste du fadeaway, un tir en déséquilibre vers l'arrière qui doit créer l'espace avec le défenseur pour éviter de se faire contrer. Techniquement, c'est ultra compliqué, esthétiquement, le geste est magnifique, et très peu de joueurs ont su vraiment le maîtriser. Parmi eux, il y a eu Kobe, qui en a fait la plus belle corde de son arc. You know, the more you do the shot, the more you work at it, you know, the more comfortable you become, and the stronger you become in areas where you need to be strong. La mixtape est dingue, et le joueur vient de passer un nouveau palier en s'installant confortablement, parmi les meilleurs scoreurs de la ligue aux côtés à l'époque du Shaq, d'Allen Iverson et de Vince Carter. Mais là où le numéro 8 de la Cité des Anges se démarque tout particulièrement, c'est de l'autre côté du terrain. En gros, faut s'imaginer que vous vous tapez Kobe en attaque pendant tout le match, vous essayez comme vous pouvez de le contenir à moins de 25 points et sous les 45% au tir. Mais en plus de ça, quand c'est à vous de scorer, vous avez un monstre défensif qui s'accroche à votre short. Quand Kobe vous colle au basque, la moindre erreur d'inattention ou le moindre dribble un peu fébrile est synonyme de turnover. Sur l'homme, la dureté de Kobe est impressionnante, les appuis sont fous et la compréhension du jeu, des systèmes, des écrans, des switches font de lui un défenseur d'élite, élu plusieurs fois dans le 5 défensif de l'année. Ça se voit facilement sur certaines séquences, Kobe comprend parfaitement ce qu'il va se passer durant l'action et en profite pour bloquer les trajectoires de passe ou enclencher une prise à deux supersonique pour bloquer complètement son vis-à-vis. Une putain de sangsue qui ne vous lâche jamais, de quoi vous rendre totalement fou. I think I realized that I was a little different. You know, I was very serious about the game at all times. You know, I would study the game. I would think about our opponents. You know, what we're going to do the next practice, what we're going to do the next game. Bon, techniquement, vous avez compris le genre de bête féroce qu'était Kobe. Et bah faut s'imaginer qu'avec lui, il y avait celui qui est peut-être le joueur le plus dominant physiquement de l'histoire de la balle orange. Du coup, naturellement, les Lakers continuent à faire leur petit bonhomme de chemin. Champions en titre, les protégés de Phil Jackson retournent en finale en écrabouillant tous leurs adversaires à l'ouest. Kobe qui tourne en 30 points, 7 rebonds et 6 passes de moyenne, 11 matchs, 11 victoires, merci d'être passé, c'est gentil, mais on a vraiment autre chose à faire. En finale contre les Sixers, malgré un Allen Iverson de gala qui envoie 35 points de moyenne, Kobe et surtout Shaq encore une fois, remporte la série 4-1 pour un back-to-back mémorable. Les Lakers sont champions sans jamais avoir été inquiétés, trop fort, trop rapide, trop physique, le monstre à deux têtes a passé un énorme coup de balai dans la ligue, et ce n'est pas encore fini. L'année suivante, en 2002, bis repetita. Sans trop forcer, la team jaune et violette termine 3ème de conférence et retourne en playoff grâce à son duo, bien entouré avec Derek Fisher à la main, Rick Fox et Monsieur Robert Torrey. Au premier tour, les Blazers ont à peine le temps de transpirer, mais sont passés à la machine. En demi, les Spurs de Duncan arrivent à prendre un match, mais subissent la loi du numéro 8 sur les 4 autres. En finale de conférence, par contre, pour la première fois depuis les finales de 2000, les Jackson 5 sont mis en difficulté par les Kings de Chris Webber et sont poussés en 7 matchs, dans une série qui a tourné à la fin du Game 4 sur un énorme shoot de Big Shot Rob. Bon, en finale, les Nets de Jason Kidd sont balayés par les Lakers du Shaq, qui surperforment à chaque fois quand le niveau s'élève, en envoyant un bon gros 36-12 sur la pauvre raquette du New Jersey. En France, le 36-12, c'est le numéro pour faire un don à l'Institut Pasteur. Aux US, c'est pour faire un don à tous les intérieurs de la ligue. Kobe, pas en reste avec ses 27 points de moyenne, soulève son 3ème trophée déjà, la 4ème équipe à réaliser un three-peat dans l'histoire de la NBA. 3 ans d'une domination outrageuse, 45 victoires en 58 matchs de playoff, les miettes laissées à leurs adversaires, la consécration d'une dynastie et d'un duo, définitivement dans l'histoire. Yeah, but it's enjoyable for me to play the game, but I love winning. And to win, you kind of have to, have to grind it out sometimes. Mais après cette finale contre les Nets, collectivement, la donne va quelque peu changer. En 2003, Kobe prend les rênes au scoring après quelques pépins physiques du Shaq, envoie 30 points de moyenne dans 9 matchs consécutifs à plus de 40 points, mais les Lakers sont sortis par les futurs champions, les Spurs de Tim Duncan et Tony Parker. Pour la saison 2004, les Lakers changent de stratégie et ramènent les Avengers dans la Cité des Anges. Outre Kobe et Shaq, toujours fidèles au poste, Karl Malone, deuxième meilleur scoreur de l'histoire de la NBA, à l'heure où l'on parle, et Gary Payton, l'un des plus grands défenseurs extérieurs que la ligue ait connu, rejoignent le roster dans l'optique d'aller reconquérir le titre.
Une stratégie payante puisque les 4 fantastiques accèdent au final NBA après être vengés contre San Antonio, mais se font méchamment laver par les Pistons de Détroit en finale. Ces derniers remportent la série sur le score de 4-1 et punissent un Kobe globalement maladroit sur toute la série. La vieillesse de certains cadres et la guerre d'ego en interne entre un Kobe en soif de leadership et un Shaq pas forcément d'accord avec la situation ont fait exploser le vestiaire et les espoirs de titre. C'est la fin des grands Lakers, la deuxième tête du monstre est coupée quand Shaq décide de rejoindre le Heat de Miami, et donc le début d'une nouvelle ère avec le numéro 8 comme principale tête d'affiche. Du coup, les 3 saisons suivantes, Kobe va artiller tout ce qui bouge, 3 ans d'une boucherie offensive sans précédent pour le joueur. Le numéro va changer, mais l'objectif reste le même. Le panier, l'arceau, le ballon, Kobe a fait le plein de tick et shoot et allume de partout. Le lundi, c'est 35 points, le mercredi, c'est 38, le vendredi, c'est 45, et le dimanche, c'est 81. Oui, l'arrière a envoyé 81 points un soir de janvier 2006 sur la tronche dépitée des pauvres Raptors, qui ne peuvent que constater les dégâts. La deuxième meilleure performance de l'histoire, derrière la centaine de Wilt Chamberlain. L'année plus tard, avec le numéro 24 dans le dos, Kobe va claquer la bise à Julien Lepers pour un 4 à la suite historique, 4 matchs consécutifs à plus de 50 points, et plus généralement, il clôture sa deuxième année en tant que meilleur scoreur de la ligue avec 35 et 31 points de moyenne en 2006 et 2007. Et malgré les critiques sur son caractère trop individualiste, Kobe en 2006 c'est quand même 27 tirs par match, et son franc-parler parfois très limite avec plusieurs de ses coéquipiers, sa polyvalence offensive et défensive marque les esprits et dégoûte ses adversaires. Playing against Kobe in his prime, there's no doubt that he's the best player that I've faced. I really can't believe those shots he will make it. Fade away, laying down twos and threes. On every one of those plays we showed, that was great defense. That's what's scary. Le basket par les fondamentaux, une dinguerie pure des deux côtés du terrain. Kobe dans sa version la plus brutale, même si collectivement, les Lakers ne font jamais mieux qu'un premier tour de conférence, éliminé 2 fois d'affilée par les Suns de Steve Nash et amarré sous de Mayer. De quoi aussi démontrer son aspect ultra clutch plusieurs fois dans la saison, car cette pression-là, le Black Mamba s'en nourrit pour devenir un joueur encore plus effrayant. Le dernier shoot sans surprise, c'est toujours pour Kobe. Nous voilà donc à l'aube de la saison 2008. Le starting 5 des Lakers a fière allure après l'arrivée à l'intérieur de Pau Gasol, qui doit compenser la grave blessure d'Andrew Bynum. Derrière, Kobe est bien évidemment le patron et doit faire avec Derek Fisher à la main et Lamar Odom sur l'aile. Les Lakers retrouvent de leur superbe et finissent avec le meilleur bilan de la conférence. Kobe brille dans une équipe qui tourne parfaitement bien et est récompensé pour la première fois de sa carrière par le prestigieux trophée du MVP qui lui échappait depuis quelques saisons à cause de son bilan collectif. La consécration individuelle enfin, de quoi lui donner toute la motivation pour continuer à dominer. Les Lakers accèdent sans trembler jusqu'en finale NBA, mais sont battus 4-2 par de formidables Celtics, premiers de la conférence Est. Et vous avez bien compris que Kobe, la défaite, c'est pas trop trop sa tasse de thé. We're gonna learn anything from this series is that we can't expect to win a championship. We're pretty good at it, but I think we can be much better. Alors la superstar des Lakers, comme à son habitude, va se remettre au travail et les 2 saisons qui vont suivre vont venir couronner les années d'acharnement du numéro 24. En 2009 et 2010, Kobe, taille patron, va ramener la franchise jusqu'au sommet. 2 fois premier de conférence, 2 fois finaliste, 2 fois champion NBA dont une vengeance épique gagnée 4-3 contre les mêmes Celtics en 2010, 2 fois MVP des finales avec plus de 30 points de moyenne, Kobe, jamais aussi fort que dans le costume d'un revanchard, a retrouvé son trône. This is the toughest one to get. Why? Because Boston is a heck of a team. They're tough. Make big shots and then going down 3-2 and then having to bounce back and win. This is the sweetest one. La ligue est de nouveau à ses pieds. Grâce à une superbe équipe et l'apport en 2010 de Meta World Peace ou Roy Hartest comme vous voulez, les Lakers ont su renverser la situation en finale, mener 3-2 mais finalement vainqueur au bout d'un game set irrespirable au Staples Center. La 5e couronne pour Kobe avec en prime ses 2 premiers MVP des finales après la moisson du Shaq lors des premiers titres. La suite, malheureusement, sera moins reluisante pour Kobe et les siens. Malgré toujours un numéro 24 en mission, qui fait de chaque match une affaire personnelle, en gros 26-27 points de moyenne, les jaunes et violets se font salir en playoff par les Mavs, OKC et les Spurs,
sans jamais l'espoir de pouvoir revenir à leur niveau d'antan. Mais Kobe reste Kobe. Si à 15 ans, il envoyait déjà des énormes dunks au lycée, à 34 ou 35, c'était toujours le même athlète. Si Kobe se blessait pendant un match, Kobe revenait juste pour tirer son lancer franc. Si Kobe était malade et vomissait avant la rencontre, il entrait quand même sur le terrain pour anéantir tout le monde. Si Kobe ressentait une douleur dans le bras droit, alors il tirait du bras gauche. C'est forcément moins beau, mais ça tombe toujours dedans. Si le score était serré dans les derniers instants de la rencontre, Kobe prenait le dernier tir. La pression a toujours subi Kobe et la glace se refroidissait dans ses veines. 26 fois dans sa carrière, il a tué le match dans les toutes dernières secondes sur un game-winning shot. Looking for a triple number, Jalen Bear, yes! The three, does it! Yes! Bryant leads, falling away, puts it in! Kobe spins in the air, it's out! Time, one dribble pull up, for the win, he's got it! The Lakers win! Sans compter les fois où les Lakers étaient largement menés au score, et Kobe décidait du reste du match. Tous ces aspects du jeu de Kobe, de son état d'esprit sur un parquet, de toutes les anecdotes sur lui, son éthique, sa rigueur de travail, son trash-talking aussi, laissent apparaître une conclusion qui paraît logique. Kobe et la détermination a toujours été un mélange savoureux. A drink, Mr. Bryant? Yeah, I'll have a vodka martini. How many olives would you like? 81. Nah, man, I'm just playing. Just two. Joke for him. He gets it. En 2016, après trois dernières saisons sans vraiment briller, entre les blessures, des pourcentages au tir très faibles et les fins fonds de la conférence Ouest, Kobe a décidé de ranger les baskets. Un soir d'avril 2016, dans un Staples Center évidemment plein à craquer, le Black Mamba envoie 60 points contre le Jazz, histoire de tirer sa révérence et dire au revoir à sa manière, c'est-à-dire ultra clutch, au petit monde de la balle orange. I can't believe how fast 20 years went by, man. This is crazy. Thank you guys for all the motivation. Thank you for all the inspiration. Thank you from the bottom of my heart. God, I love you guys. What can I say? Mamba out. Oh, God, time. You made me feel sweet. And if I'm losing my mind. Maintenant, il va falloir conclure et trouver les mots justes. Beaucoup d'entre nous ont grandi avec Kobe dans les années 2000. Certains l'ont vu éclore sur Canal+, à l'époque de son arrivée en NBA, l'ont vu éclabousser la ligue de son talent et de son sens du show, l'ont vu dominer individuellement et collectivement pendant ses 20 ans de carrière. Il y avait le ballon, le panier, et toutes ses façons de pouvoir lier les deux. Il y avait son maillot, sa ville, et toutes ses façons de pouvoir aimer les deux. Les records, notamment de précocité, Kobe les a tous accumulés et son palmarès est juste impressionnant. 5 titres NBA, 2 fois MVP des finales, 1 fois MVP de la saison, 17 sélections pour le All-Star Game de suite, dont de nombreuses fois en tête des votes du public, 11 nominations dans la NBA First Team de l'année, 9 fois dans la Defensive First Team de l'année, 4e meilleur marqueur de l'histoire, et tout ça au sein d'une seule et même franchise. L'amour d'un sport familial est très vite devenu familier. La passion pour une discipline qui n'avait plus de secret pour lui, aussi bien aux États-Unis, en Europe ou en Chine, Kobe ayant remporté la médaille d'or aux JO de Pékin et de Londres en 2008 et 2012. Avec Team USA au passage, Kobe, c'est 36 matchs pour 36 victoires, à une époque où l'équipe était censée être en plein doute après la médaille de bronze à Athènes. Mais le doute n'a jamais osé affronter Kobe, par peur de se faire postériser et par peur aussi d'affronter son regard. Dans ses yeux, on percevait l'envie, dans ses mains, on découvrait l'audace, dans ses moves, on se replongeait dans le passé. Ça paraît simple, mais ça l'est pas du tout. Ce n'est que le résultat d'un travail hallucinant sur le fond et la forme de ses moves, sur un plan clair et précis de comment dominer sa discipline, et ce, peu importe ses adversaires. L'arrogance légitime d'un tueur sur les parquets. Kobe a tout croqué, la vie, l'arceau, la défense, les feuilles de match aussi. Mais Kobe inculquait la gagne et transmettait le flambeau. Son héritage dans la ligue et dans les gymnases aux quatre coins du monde est éternel. Une petite poubelle qui traîne, un gros fadeaway à la Kobe. Everyone always wanted to talk about the comparisons between he and I just wanted to talk about Kobe. We're all hurt, we're all heartbroken. And I know Kobe and Gianna and Vanessa and everybody, thank you guys from the bottom of their heart, as Kobe said. Mamba out, but in the words of us, not forgotten. Live on, brother. L'essence même du basket dans sa forme la plus pure, la plus brutale et la plus instinctive.
En 20 ans, Kobe nous a laissé un florilège d'actions tout aussi folles les unes que les autres. Il peut y en avoir 10, 50, 100 ou 1000, ça dépend si vous avez du temps et un peu de compassion pour l'adversaire. Mais comme tout le monde, Kobe a connu le goût de la défaite, les déceptions d'un soir, le pardon du désespoir, les larmes d'un au revoir. Les larmes, les siennes, mais aussi les nôtres. Car Kobe, vous le savez, est parti il y a maintenant 2 ans après un accident d'hélicoptère qui a coûté la vie à 9 personnes, dont Kobe et Jana, sa fille de 13 ans. Un drame qui a bouleversé le monde du sport et accentué à jamais la fascination collective autour du Black Mamba et de toute sa carrière. La vie nous a enlevé Kobe, mais pas tous ses souvenirs. La NBA a perdu l'un des plus grands joueurs de son histoire et le basket, l'un de ses plus beaux représentants. Une chose est sûre, depuis là-haut, Kobe nous regarde et continue à faire des 1v1 contre la terre entière. Le Black Mamba s'est retiré, ses 2 numéros aussi. À nous de ne jamais les oublier.